avez vu dans le titre pour une vidéo tag. Alors, ce tag n'a pas vraiment de nom, mais étant donné que je l'ai vu sous la chaîne de iwiwish, j'ai donc appelé ce tag iwiwish tag tout simplement. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos les questions de ce tag, si vous aussi vous avez envie d'y répondre en vidéo ou en commentaire, cela me ferait très plaisir de savoir vos réponses. Donc n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires si vous avez déjà fait ce tag ou pas. Et si vous ne l'avez pas fait, à le faire directement dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'aller vous lire. Donc du coup je vous explique vite fait un peu ce tag. En fait ce tag se compose de 10 questions. Et en fait il faut répondre en donnant des noms de youtubeuses en fait. Donc c'est un tag qui porte sur YouTube en fait. Donc du coup c'est parti. Donc... Kaïsa en fait, je trouve que cette fille elle a juste une philosophie de vie mais vraiment trop fabuleuse quoi. Elle pense vraiment au bonheur des gens, elle est là pour pouvoir vous aider, enfin je dirais seulement dans ses vidéos, étant donné que voilà j'ai essayé de lui parler à plusieurs reprises, elle ne m'a jamais répondu malheureusement. Donc du coup voilà, je suis un peu déçue sur ce côté là, étant donné que voilà, elle n'a pas tant d'abonnés que ça, enfin forcément elle en a plus que moi. Mais je connais d'autres youtubeuses qui ont plus d'abonnés que elle et qui prennent le temps de répondre aux commentaires, de répondre aux messages sur Twitter, des choses comme ceci. Donc du coup voilà, je suis un peu déçue de son côté qu'elle ne répond pas à ses abonnés. Mais sinon, j'avoue que son style en fait de vie, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a vraiment un esprit très, très, très large. Donc du coup, voilà, ce qu'elle me fait ressentir via ses vidéos, j'aime vraiment beaucoup cela. Pour ma part, ça serait Vanessa de la chaîne Mon Univers à moi. J'adore vraiment cette fille, on se parle très très régulièrement, enfin il fut un temps où on se parlait vraiment beaucoup plus, mais là étant donné qu'elle est en déménagement, elle n'a pas forcément le temps, mais voilà. Alors pour ma part ça sera Emma de la chaîne Emma Niwan. Je trouve cette fille, mais elle est vraiment trop mignonne. Souvent sous ses vidéos il y a des gens qui disent comme quoi que il les agresse machin et tout ça, mais moi je trouve vraiment pas du tout qu'il y a de l'agression. Après forcément c'est sûr que des fois elle a ses coups de colère, je trouve ça tout à fait normal quand on voit ce que ses abonnés font quand ils l'appellent chez elle et tout, mais voilà, sinon c'est vraiment une personne en or, elle est vraiment toute douce. Pour l'avoir rencontrée en vrai donc sur Paris à un meet-up, comme vous avez pu voir dans ma vidéo vlog de meet-up à Paris, elle est vraiment trop douce. Elle est gentille avec tout le monde, elle est là pour aider et tout. Enfin voilà, moi cette fille c'est vraiment ma petite chouchou. Ça sera toujours Vanessa, comme je vous l'ai dit, étant donné qu'on a parlé vraiment beaucoup. Donc du coup, voilà, toujours Vanessa de la chaîne Mon Univers à moi. Ce serait Aurélie de la chaîne L'Entre de 90s, voilà. On a fait des lives ensemble, on a fait des périscopes ensemble, on a vraiment trop rigolé. Donc du coup voilà, ça serait vraiment elle avec qui j'ai passé le meilleur moment. Pour ma part, il y en a vraiment beaucoup. Donc j'aimerais rencontrer Tina de la chaîne iwiwish, forcément voilà, j'adore Tina. C'est pour ça d'ailleurs que je reprends son tag, parce que j'adore, elle est vraiment trop mignonne cette petite. Dès que je vais pas bien, elle le voit, elle vient toujours vers moi, c'est vraiment trop adorable. Ensuite j'aimerais bien voir Léa de la chaîne Léa Chou, voilà, elle fait trop rigoler aussi. J'aimerais voir Estelle forcément de la chaîne Kaïsa.
Ensuite, j'aimerais bien revoir aussi Emma de la chaîne Emma Niwan. J'aimerais voir donc Vanessa de la chaîne Mon Univers à Moi, Aurélie de la chaîne L'Antre de Nightis, Marlène de la chaîne Marlène Roll et Laura, pour ma part, c'est les youtubeuses que j'aimerais voir vraiment, vraiment, vraiment. Après, bien sûr, il y a aussi toutes les autres grandes youtubeuses que je suis, comme Enjoy Phoenix, Je ne suis pas jolie, Emma Cupcake, etc. Toutes ces personnes-là, mais après, c'est vrai que c'est des personnes que je suis parce que ben, voilà, j'aime bien leurs vidéos, mais que je suis vraiment beaucoup, enfin beaucoup, mais je suis moins dans l'envie de vouloir les rencontrer étant donné que voilà, j'ai jamais parlé avec elles, donc du coup j'ai envie de les rencontrer, mais c'est sûr que j'ai envie moins de les rencontrer que toutes les personnes que j'ai citées avant. Donc ça serait Laureline, enfin je ne sais plus comment ça se dit, je vous écrirai le pseudo de sa chaîne. Voilà, alors c'est une très très belle rencontre que j'ai rencontrée donc grâce à Vanessa. Donc c'est une maman de deux petits enfants. Et voilà, vraiment je pensais pas qu'il y avait des personnes comme elle sur YouTube. Elle a vraiment la joie de vivre, elle répond à tous ses abonnés. Elle est vraiment super rigolote, ses enfants sont trop chou, ils sont vraiment adorables. Ils ont d'ailleurs une chaîne eux aussi, que je vous mettrai aussi d'ailleurs dans la barre d'infos. Enfin voilà, c'est vraiment ma rencontre inattendue, cette petite maman, moi je l'adore vraiment beaucoup. Alors, pour ma part, donc, ça sera Emma, donc toujours de la chaîne Emma Niwan, avec elle je rigole vraiment beaucoup. On a des délires que des fois leurs abonnés ne comprennent pas, comme quand je dis que c'est la faute à Emma si j'ai acheté mon iPhone 6S, voilà. Mais cette fille, moi je l'adore vraiment. Et ensuite, c'est forcément Aurélie, parce qu'elle est complètement disjonctée, cette fille. Vous ferez mieux d'aller voir ses vidéos, vous comprendrez vraiment pourquoi, mais elle est vraiment trop adorable. Alors c'est vraiment toutes les personnes que j'ai citées jusqu'à présent. Donc Emma, Tina, Vanessa, Aurélie, etc., etc. Toutes les personnes que j'ai citées donc dans les questions précédentes, c'est vraiment qui sont juste magnifiques, alors qu'elles soient maquillées, qu'elles ne soient pas maquillées, voilà, au naturel, elles sont juste trop belles. Et alors en plus, le summum de tout ça, c'est qu'elles sont trop belles aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est vraiment des personnes en or, donc voilà. C'est vraiment toutes les personnes que je vous ai citées jusqu'à présent, donc c'est pour ça que je vais vous mettre le lien de chacune de leurs chaînes dans la barre d'infos, et je vous incite vraiment d'aller voir leur chaîne et de me dire ensuite dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, le tag est enfin terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à refaire ce tag, ça me ferait vraiment très plaisir de savoir vous quels sont les youtubeurs et youtubeuses que vous appréciez ou pas. Et donc voilà, je vous fais plein d'énormes gros poutous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!